C'est Sylvette Fayet, cadre de la fonction publique et conseillère municipale d'opposition, qui a pris la tête de la liste du Front de gauche Vivons Nîmes Ensemble. Une liste qui fédère Parti communiste, Parti de gauche écologiste d'Europe Écologie Les Verts et une alternative socialiste. Nous voulons battre la droite et l'extrême droite. Nous voulons faire reculer le Front National et construire une ville solidaire et écologique. Et en même temps, nous nous opposons aux politiques d'austérité. Une opposition qui concerne également les grands projets de la ville. Pas de tour de l'écusson pour le trambus qui, une fois propre, reliera bien l'Est à l'Ouest. Pas de gare de Nîmes en périphérie et encore moins de musée de la Romanité. Non, nous ne ferons pas le musée de la Romanité. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. 60-80 millions, cet argent public doit être utilisé à autre chose. Nous voulons une politique du logement digne de ce nom. Aujourd'hui, il est difficile de se loger dans cette ville. Nous voulons également développer le vivre ensemble, travailler avec les associations, développer la culture de proximité avec les acteurs locaux, ainsi qu'une politique du sport digne de ce nom. Et c'est presque tout logiquement que cette ancienne élue adjointe aux affaires sociales sous la municipalité Clary a reçu le soutien de son ancien maire. Après 13 ans de pouvoir sans partage de la droite en complicité avec le Front National, eh bien nous avons besoin de nous retrouver, nous rassembler dans nos foyers, dans nos quartiers, pour qu'on vive mieux à Nîmes. Un soutien qui a valeur d'exemple et donne à la candidate un goût de possible. Une candidate qui appelle à résister et à ne rien lâcher.